Bien qu'absent depuis un certain nombre d'années, les titres de Jean-Jacques Goldman continuent de résonner dans les têtes de toutes les générations. Des morceaux puissants, rassembleurs, qui prennent une nouvelle vie lors d'une tournée exceptionnelle, l'héritage Goldman. Sur scène pour interpréter ses chansons indémodables, une jeune génération d'artistes prometteurs et celui qui fut le complice de l'artiste durant toute sa carrière, Michael Jones. C'est des chansons que j'ai jouées pendant plus de 30 ans. Et le fait de les entendre par d'autres artistes, fait autrement, avec une nouvelle fraîcheur, c'est très encourageant. Ça veut dire que les chansons sont plus fortes que leurs interprètes. Je marche seul, au bout de mes rêves, la vie par procuration, il changeait la vie ou encore quand la musique est bonne, des tubes qui restent gravés dans les mémoires et que les artistes de la tournée se réapproprient. Quand j'écoute ces chansons, je les écoute comme si c'était pas moi qui avais joué. D'ailleurs même, il y a eu des histoires. Je me rappelle notamment Peur de rien blues, par exemple. Quand on a réécouté pour partir en tournée et dire « Tiens, on va le faire suivre cette chanson-là comme ça », et là, Jean-Jacques a dit « Là, la partie de guitare, faut que tu fasses exactement pareil ». Je ne savais plus comment j'avais fait. J'étais obligé de réapprendre la partie comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait. Mais bon, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on fait dans l'instant. Et après, elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Elle apprend dans la presse un scandale, la vie des autres qui s'étale. Mais finalement, le moins pire en banal, elle finira par trouver ça. Je suis un peu le maître d'œuvre sur scène, c'est-à-dire que je suis celui qui parle aux gens, je chante aussi. Je suis un peu chef d'orchestre, voilà, sur l'ensemble. En tout cas, c'est pas moi l'artiste le plus important. C'est-à-dire que c'est un vrai partage familial. Et malgré les années passées en tournée, c'est toujours la même émotion qui habite Michael Jones lors de chaque concert. Quand on arrive sur scène, et on voit qu'ils sont contents de nous voir. Et après, qu'on fasse la fête ensemble pendant 2 heures, c'est ça. C'est vraiment très émouvant. Impossible de parler de l'amitié entre Goldman et Michael Jones sans évoquer une chanson, Je te donne. On avait déjà fait des duos quand on était dans le groupe Taifong, et il avait envie d'en faire une. Et l'idée est partie d'une chanson qui raconte nos histoires de tous les deux, c'est-à-dire que deux personnes qui viennent de deux horizons totalement différents et qui arrivent à avancer ensemble. L'héritage Goldman, c'est à découvrir sur la scène de l'Arena le vendredi 6 octobre prochain et une seconde date suisse vient d'être annoncée pour le 30 novembre 2024 à Lausanne. Je te donne ce...